Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager donc la projection du liège sur toute la carrosserie intérieure du fourgon, donc la première étape de l'isolation. Je vais vous montrer tout ça, les galères, parce qu'il y en a eu un petit peu, et puis le résultat final. Et puis ce que je fais, c'est que je vous reprends après vous avoir montré tout ça pour débriefer donc sur le liège projeté, pour vous dire nos difficultés, et puis voir si on sent déjà une différence ou pas, et puis quel matériel exactement donc on a utilisé. Voilà, bonne vidéo, et puis restez bien à la fin pour le débrief. Allez, bon visionnage! De fortune pour faire sécher le liège, car on est au mois de juillet et en fait j'ai projeté le liège, il pleuvait et en fait on est descendu à 16 degrés tout le long de la journée pendant 3 jours, donc grosse galère, grosse humidité. Donc j'ai essayé de mettre un super radiateur électrique sur un diable, c'est improvisé, hein. Mais bon, et du coup voilà les problèmes que j'ai eu, du coup, comme vous pouvez voir sur la carrosserie, c'est que du coup ça a condensé, il faisait tellement humide dehors que du coup ça a coulé un petit peu. Donc bon, on va dire rien de trop grave parce que c'est la première couche, donc on va essayer de rattraper tout ça. Le soleil est revenu au bout de 3 jours. Donc là, on a un petit 24-25 degrés, donc je vais projeter la deuxième couche, ça a tout séché. Et puis ça devrait le faire. Allez, c'est parti. Je vais sortir mon super chauffage de chantier, de fourgon, et puis je vais commencer la deuxième couche.
micro aujourd'hui donc pour la troisième passe de Liège sur tout le fourgon. Là, c'est on a le beau temps qui est revenu, enfin l'été. On a un petit 29-30, ça sèche au top. Au top, au top, au top. Du coup, bah là, j'attaque la troisième couche. Allez, c'est parti! Donc là, ceci en fait c'est le colorant blanc, parce que c'est vrai que moi je le voulais blanc le liège pour si j'arrive pas à le cacher, ça se reverra moins que si c'est couleur liège. Donc voilà, c'est pour ça que moi en fait j'ai un petit flacon, donc c'est du colorant pour qu'il soit blanc. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, moi je rajoute donc 3 flacons d'eau et maintenant je vais prendre le malaxeur et mélanger tout ça pour que ça soit le plus homogène possible. T'es prêt? À table! On laisse pas sécher, ça se nettoie super bien. Vous avez vu? Sans effort. C'est un très grand jour, un très très grand. C'est le dernier jour du liège. Ouais, là on arrive sur la quatrième et dernière couche de liège, donc ça va faire du bien de pouvoir tout déscotcher et puis pouvoir continuer l'isolation plus sereinement. Donc voilà, vous allez voir la dernière couche. C'est parti! Donc voilà, on est dans le fourgon. Je vais vous parler un peu donc des galères qu'on a eues et comment ça s'est passé. Donc la galère, c'est qu'on a commencé à projeter
Temps humide, il faisait pas beau, et puis on a eu 3 jours de baisse de température, très difficile d'aérer le fourgon, et du coup le liège ne séchait pas, donc vous avez pu voir que ça avait condensé, que la première couche avait coulé un petit peu donc sur certains montants. Du coup j'ai dû mettre un radiateur dedans pour augmenter un petit peu la température. Au bout de 3 jours, le beau temps est revenu, j'ai pu enlever le radiateur, et puis on a continué les couches. Donc j'ai fait 4 passes au total. 4 passes pour un fourgon donc de notre taille. Nous c'est un Ford Transit 2 tonnes H3L4. Donc pour projeter de partout et projeter aussi le dessus de la cabine, il me fallait environ 3 heures. 3 heures pour projeter, donc avec un pistolet à crépir. On a acheté des pots tout prêts. Sur internet par facilité, par peut-être gain de temps aussi, parce que c'est vrai que pas trop le temps, donc je me suis dit je vais pas me prendre la tête encore à faire le mélange, je vais l'acheter tout prêt. Et par couche je passais 2,5 pots, donc 2,5 pots pour le véhicule fait à peu près 10 mètres carrés. Donc voilà, donc le plafond, les renforts, et c'est vrai que j'ai accentué surtout sur la porte latérale où l'isolation, on ne peut pas mettre trop, et tous les renforts qu'on ne peut pas isoler, parce que c'est vrai que chez certains renforts, même en mettant de l'isolation en vrac, j'ai pas accès, donc je ne vais pas pouvoir les isoler, donc c'était d'où l'intérêt en fait de projeter le liège pour bien isoler ces parties-là. Donc voilà, pas super simple. Je vais pas vous le cacher que ça a été un petit peu folklorique, mais bon, on y est arrivé. Pour le moment, le résultat, on en est content. Dire que ça isole, je sais pas encore. Le gros intérêt, c'était surtout de couper tout ce qui est pont thermique. Donc, on est très content du résultat. Et puis maintenant, dans les prochaines vidéos, vous allez pouvoir voir donc la suite de l'isolation. Voilà, en espérant que cette vidéo vous a plu, que ça peut vous aider sur votre aménagement. Et donc, si vous avez des questions sur le liège projeté, laissez des commentaires ou des messages privés, et puis j'essayerai d'y répondre. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre des petits pouces, laissez des commentaires, partagez la vidéo, et puis surtout, abonnez-vous! À bientôt! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous partager donc l'étape J'aime pas les lunettes. On voit rien, je transpire, ça coule dessus. Je les remettrai pour le plafond parce que là, c'est le bordel sur le côté. Ça me plaît pas.